Paris sous le Second Empire. Depuis 1852, Napoléon III est empereur des Français. Eugénie de Montijo est impératrice et l'avenir de la dynastie semble assuré. La façade du règne est brillante et joyeuse. La cour impériale se divertit à Compiègne. Le tsar de toutes les Russies est reçu à l'opéra. On valse aux Tuileries. Français se distrait. Dites-moi, je vous prie, ce qu'il faut que je fasse. Oh, oh, je te marie. Sous l'égide du baron Haussmann, Paris va se transformer. Le plan est vaste. Des préoccupations stratégiques l'expliquent en partie. De larges artères sont indispensables pour permettre, en cas de trouble, les éventuels mouvements de l'armée. Percement du boulevard Saint-Germain. Aménagement du quartier du Luxembourg. Début de Chaumont. Du parc Montsouris. De la plaine Monceau. Place de l'Étoile, démolition des barrières de l'octroi. Construction des halles. De la gare de l'Est. Ces travaux sont la fierté de l'empereur. Si les partis m'attaquent dans le présent, les chemins de fer de la province et les monuments de Paris me défendront dans l'avenir. Dans les rues de Paris, surgissent des kiosques à journaux lumineux. Les premiers grands magasins apparaissent. C'est une période d'intense activité financière et la spéculation boursière ne connaît pas de limite.
caricaturiste s'en donne à cœur joie. Mme Chaffarou, j'ai bien envie de sortir des lits militaires pour entrer dans le palais de cristal. À moins que je me mette dans le Guadalquivir. Comme quoi, tout le monde ne peut pas être content. Un système bancaire moderne s'implante. Le Second Empire fait entrer la France dans l'âge de la civilisation industrielle. La technique française franchit les frontières. Le premier câble transatlantique est posé. Le canal de Suez est inauguré. La France, cependant, reste un pays essentiellement agricole. Plus de la moitié de la population tire ses ressources de la terre. L'Empire est une période de prospérité et d'enrichissement pour les ruraux. Mais dans les grandes villes, les ouvriers, qui sont encore une minorité, connaissent une existence très dure, celle que le journaliste Jules Huret, des années plus tard, devait dépeindre. Ce sont eux qui se lèvent à 6 heures du matin tous les jours depuis leur plus tendre enfance, pour venir s'enfermer dans les immenses hangars où tout est noir et rouge. Et ils continueront demain, l'année prochaine, toujours, jusqu'à l'extrême vieillesse, sans 15 jours, sans 8 jours de repos. Des grèves éclatent. Bien que le despotisme des premières années du Second Empire ait été atténué vers 1860, il est peu de journalistes d'opposition qui, à un moment quelconque, ne soient incarcérés à la prison de Sainte-Pélagie. Henri de Rochefort, qui signe Rochefort, compte parmi les plus virulents adversaires de l'Empire. En 1870, un conflit l'oppose au prince Pierre Bonaparte, cousin de l'empereur. Deux chroniqueurs, Ulrich de Fonvielle et Victor Noir, viennent alors pour une toute autre affaire chez le prince. Monsieur, nous venons de la part de Monsieur Pascal Grousset pour vous remettre une lettre. Vous ne venez pas de la part de Monsieur Rochefort? Vous n'êtes pas de ces manœuvres? Monsieur, nous venons pour une autre affaire et je vous prie de prendre connaissance de cette lettre.
J'ai provoqué M. Rochefort parce qu'il est le porte-drapeau de la crapule. Quant à M. Grousset, je n'ai pas à lui répondre. Puisque vous êtes solidaire de ces charognes. Monsieur, nous venons chez vous, loyalement et courtoisement, remplir le mandat qui nous a été confié par notre ami. Êtes-vous solidaire de ces misérables? Nous sommes solidaires de nos amis. Le prince Bonaparte est emprisonné. Et l'enterrement de Victor Noir est l'occasion d'une manifestation contre le régime. Rochefort publie un article qui lui vaut de nouvelles poursuites. J'ai eu la faiblesse de croire qu'un Bonaparte pouvait être autre chose qu'un assassin. Voilà 18 ans que la France est entre les mains ensanglantées de ces coupe-jarrets qui, non contents de mitrailler les républicains dans les rues, les attirent dans des pièges immondes pour les égorger à domicile. Peuple de France, est-ce que décidément tu ne trouves pas qu'en voilà assez? Une fois encore, Napoléon III consulte directement le pays. Un plébiscite est décidé qui réjouit les caricaturistes. Monsieur le maire, quoi que c'est donc un plébiscite? C'est un mot latin qui veut dire oui. Numéro 77, à voter. C'est à nouveau le triomphe. Un ultime triomphe. Émile Ollivier, président du Conseil, affirme sa satisfaction à la tribune du corps législatif le 30 juin 1870. De quelque côté qu'on regarde, on ne voit aucune question irritante engagée. Et à aucun moment, le maintien de la paix en Europe n'a été plus assuré. Un prince de Hohenzollern, allié à la famille royale de Prusse, est prétendant au trône d'Espagne. À Ems, l'ambassadeur de France obtient de Guillaume Ier le retrait de cette candidature. Mais le chancelier de Prusse, Bismarck, qui n'admet pas cette intervention, publie un texte provocateur selon lequel le roi de Prusse a refusé de recevoir l'ambassadeur de Napoléon III. C'est la dépêche d'Ems. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse, ce qui, selon les journaux de l'époque, déclenche un enthousiasme quasi général. 2000 personnes environ stationnaient devant la grille du corps législatif. Elles n'eurent pas plutôt entendu que la guerre était déclarée qu'elles poussèrent avec une rare unanimité et une indicible énergie le cri « Vive la guerre, vive l'empereur !» L'armée impériale part pour une marche triomphale. Peu préparée, mal commandée et insuffisamment équipée, elle se heurte à une armée prussienne supérieure en nombre et en armement. Les Français connaissent une succession de défaites. Frechwiller, Forbach, Raisonville, Gravelotte. Le 1er septembre, à Sedan, l'empereur fait prisonnier capitule sans condition. Il écrit à Guillaume Ier : Monsieur mon frère, n'ayant pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de votre majesté. Je suis de votre majesté le bon frère. À Paris, l'impératrice Eugénie, qui assurait la régence de l'Empire, doit fuir le palais des Tuileries. Elle gagne l'Angleterre, où bientôt le prince impérial et Napoléon III viendront la rejoindre et connaîtront avec elle l'exil.
Le 4 septembre 1870, à la nouvelle du désastre de Sedan, le peuple se rassemble devant le palais Bourbon, siège du corps législatif. Des manifestations ont lieu dans tout Paris.